panini. Don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy. Wished it on a genie. I got fans finally. Salut à tous, c'est le Kim et Petit. J'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Fortnite dans laquelle je vais commencer le clavier souris. Alors, aujourd'hui on va pas faire beaucoup de solo, on va juste faire une game. Mais avant ça, on va partir en mode créa pour s'échauffer un peu. Ok, alors on se retrouve dans une map normale, donc comme vous pouvez le voir, ça fait, il y a des construits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé le clavier souris il y a environ une ou deux semaines, et que d'habitude je suis sur manette, et ça va faire depuis la saison Marvel que je joue à Fortnite. Et en fait, comme je suis sur PS4, j'ai appris à jouer sur manette parce que je savais pas qu'on pouvait brancher le clavier souris. Et quand j'ai un pote à moi qui m'a dit qu'on peut brancher le clavier souris, j'ai tout de suite été essayé et j'ai remarqué que au niveau des construits, des edits, c'est beaucoup plus rapide que sans manette. Ok, du coup on va faire quelques edits. Ok, une porte. En fait, comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé, les edits c'est un peu compliqué pour moi. J'ai personnalisé quelques touches, j'ai demandé conseil à un pote à moi. Il m'a conseillé ces touches là. Après moi j'ai appris avec celle-là. Ok, du coup on commence 90. Sans manette c'est beaucoup plus rapide. Il y a photo à prendre depuis le début. Surtout que sur clavier souris, la sensibilité est plus rapide. Ok, du coup on va voir si les doubles edits ça passe. Alors on va reculer, comme on dit non, c'est parti. Ah ouais, je suis choqué, c'est la première fois que je fais ça. On va réessayer, peut-être que c'était un coup de chance. On va réessayer encore une fois. Peut-être que ça va marcher, comme on dit. Il n'existe pas de 203. Ok. Sol, cône. Prends les noms. Ah, non. Non. Bon. Comment. Ah, voilà. On reset la construire. Ok, du coup on se retrouve dans le salon. Là on va lancer une game en solo pour voir ce que ça donne. Je me suis déjà échauffé, ça fait on va dire 20 minutes que je me suis échauffé. Là on va lancer une game tout de suite. Ok, alors là on va voir où est-ce qu'on va, que le bus passe au milieu. On va aller à un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde parce que comme je suis pas très très fort que la souris, on va éviter de croiser du monde pour éviter de se faire tuer. Du coup, direction Misty Meadow. Essayer de sauter au bon moment. C'est près de Lazy Lake, du coup on va éviter de passer par Lazy, quand on va falloir passer par la zone, parce que la zone soit près de Misty Meadow. Ok, ça a débrayé le plein air tout seul. Ah, je vois quelqu'un derrière moi. Espérons qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde. D'ailleurs, semble. Là, je vois personne. C'est bon signe. Attendez. Ah non, il y a une seule personne. Ok, on va aller à l'opposé de là où il est. Pistolet, bandage.
sur la pompe levier, ça c'est bien. Commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme pompe. Moi perso, c'est pompe levier. Après, il faut avoir une PM parce que ça prend du temps pour tirer en continu. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la pompe tactique parce qu'il suffit juste d'appuyer en continu et ça tire en continu, ça tire tout le temps. Ok, Naka bleu. Alors pourquoi je pense à reprendre les bordages. Ok, alors on se retrouve, là j'ai bien stuffé. On va partir de Miss Timido parce qu'il y a la zone qui est un peu loin. J'entends un fight, on va regarder. Ah ok, c'est là-bas. On va vite partir pour éviter qu'il me voit avant. Parce qu'il faut dire, mon skin n'est pas très discret. Ah, ça tire sur moi. Ok, les tirs m'ont arrêté. On va partir parce que je crois que j'ai vu quelqu'un passer dans la maison blanche là. Si je me trompe pas. Il y a bien quelqu'un qui est passé par là parce que les portes sont ouvertes. À tout prix. On va essayer de le retrouver. Ah, attendez, je crois que je vois quelqu'un là-bas. Ok, c'est un gars. Essayer de tuer, ok, raté. Il a construit ma vie. Ok, il ne me tire pas dessus. Allez, ok, 105. On va essayer de shooter. Oula, mon shoot n'est pas très très bon. On va essayer de l'avoir au pompe. Raté. Ok, une tête, il est mort. De toute façon, il avait plus d'HP. On va juste prendre notre popo et après, on va aller prendre le poisson parce que là. Si je me prends une balle de snip, c'est mort, alors que si je mets ma popo, moi j'aurai une chance. Attendez, c'est bien un camion que je viens de voir passer, non? Ok, peut-être qu'il va venir vers nous, là. Bon, moi je vais me dépêcher de partir parce qu'il y a la tempête qui arrive. Ok, du coup, là on a bien avancé, on est près de Hunter 7. Regardez, 3.0, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mises à jour et à force du temps. Comme l'événement est dans pas longtemps, je crois que c'est le 16 mars qu'il arrive. Je pense que le 16 mars, le 0.0 va exploser. Mais il me semble que le 0.0 existait déjà dans une vidéo. Une Scar. Dans une vidéo, j'avais vu que le 0.0 existait déjà à la saison 10. Enfin, je sais pas si c'est vrai. On va faire le tour pour voir s'il n'y a pas de stuff. Ok. Il n'y a rien. NPM grise, pas grave. Ok, il y a un fight. Et elles ont pas pris le colis. On va pas y aller parce que. Ok, je vois des trucs bleus. Ah, il me semble que j'ai vu des splashs là. Ok, harpon. Ah, c'est bien des splashs. Ok, alors. J'entends des tirs depuis tout à l'heure, je crois que c'est à gauche, ils vont vers le colis en fait. Ah, ça tire. Ok, je vois quelqu'un construire, on va essayer de le toucher. On va attendre. Ok. Oh non, loupé. On va éviter de rester là parce que s'il me voit. Normalement, j'ai Scar et pompe levier. Normalement, ça devrait passer pour faire top. Oula, il y a quelqu'un. Ok. Ah non. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, je me suis fait tuer. Du coup, je suis retourné en mode créa pour m'entraîner. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo et à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, ciao!